Aboie-Georges de Jules Pfeiffer. Écric et crac, mon histoire va commencer. La page titre, Aboie-Georges de Jules Pfeiffer. Aux éditions Pastel. La maman de Georges dit Aboie-Georges. Georges fait Non, Georges, dit la maman de Georges, les chats font miaou, mais les chiens font ouf. Allez, aboie, Georges. Georges fait coin, coin. Non, Georges, dit la maman de Georges, les canards font coin, coin, mais les chiens font ouf. Allez, aboie, Georges. Georges fait ouf. Non, Georges, dit la maman de Georges, les cochons font wouk, wouk, mais les chiens font wouf. Allez, aboie, Georges. Georges fait meuh. La maman de Georges emmène son fils chez le vétérinaire. Essayons de découvrir le fin fond de cette histoire, dit le vétérinaire. Aboie, Georges, s'il te plaît. Georges fait Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges et en retire un chat. Aboie encore, Georges. Georges fait coin, coin. Le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de Georges et en retire un canard. Aboie encore, Georges. Georges fait Le vétérinaire plonge la main loin, loin, loin à l'intérieur de Georges et en retire un cochon. Aboie encore, Georges. Georges fait meuh. Le vétérinaire enfile son plus long gant de latex, plonge la main loin, 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 loin à l'intérieur de Georges. Et en retire une vache. Aboie encore, Georges. Georges fait ouf. La mère de Georges est tellement émue qu'elle embrasse le vétérinaire. Et le chat, et le canard, et le cochon, et la vache. Sur le chemin du retour, elle veut que tout le monde dans la rue entende aboyer son fils. Allez, aboie, Georges, dit-elle. Et Georges fait Bonjour. C'était Aboie, Georges de Jules Pfeiffer dans La maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à aller regarder mes autres histoires lues.